よりさらにレベルアップした状態でフィールドに立つ。世界と渡り合うために俺はさらに高みを目指す。僕は僕のやり方で最高のゲームメイクをしてみせる。俺だってやるときはやるんだ。サッカーは芝の上での騙し合いや。Hey les amis, c'est Letko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Captain Tsubasa Dream Team collab sur la G League, ça fait plaisir, on aura des bonus, etc. On va voir ça tout de suite. Attendez, on va mettre ça comme ça, hop, voilà. Donc là, nouveau scénario ajouté, donc des Dream Ball à récupérer. Je crois que, bon, on a Taro Misaki payant. Peut-être faire le palier, peut-être. On va peut-être faire le palier jusqu'au palier 5. On va voir s'il vaut le coup. Avec le beau maillot de Jubilo Iwata, qui est malheureusement en G-League 2 pour l'instant. Voilà. Tac, tac, tac. Échanger contre des médailles recrutement. Apparemment, il y a des joueurs qui sont sympathiques. Marché. Voilà. On peut récupérer des nouveaux joueurs avec les médailles G-League. Donc, c'est quand vous faites des invocations. Vous récupérez les médailles et vous allez dans le shop. Donc voilà, vous connaissez la chanson. Le marché Dream Ball, vous pouvez récupérer l'uniforme officiel de la G-League. Je ne sais pas si c'est ce maillot-là. J'espère pas, j'espère qu'il y a des maillots, les vrais maillots, ça serait bien. Tac, 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 spécial. D'accord. Ok, bon bah après il y a des trucs. Ah, le Sawada avec sa coupe spéciale avec le ballon là qui joue à Urawa Red Diamond, qui est dans la banlieue nord de Tokyo. Sapporo qui est carrément au nord du Japon, hein, dans l'île de Sapporo. Ah, j'ai oublié comment ça s'appelle. Hokkaido, voilà, à Hokkaido. Notre ami Yoshikawa, lui joue à Osaka. Shimizu qui est pas très loin de Tokyo aussi, qui est dans le sud, un peu plus au sud. Iwata aussi, qui est un peu plus au sud de Tokyo, un peu plus loin même. Donc voilà. Ça fait plaisir, en tout cas ça fait très plaisir. Franchement propre l'animation. De toute façon on va découvrir tout ça ensemble les amis. Voilà, hop, on va fermer. Allez, petit cadeau. Voilà, bon les derniers ballons de... D'accord, donc on a le Yoshikawa coffre qui n'a pas l'air dégueu. Ok. Ah oui, ah il y a 30. D'accord. Ah oui, on a eu les 30 Dream Ball pour la campagne. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ok. Accepter. On va être bien pour l'anniversaire les gars, on sera à presque 700 à peu près, 700 dB. D'accord, événement. Ah donc il y a encore un Yoshikawa, Yoshikawa il te le donne normal. Apparemment il a un passif qui est très sympathique, apparemment il donne plus 20%, enfin il donne 20% à tous les joueurs s'il y a 5 joueurs club vert. Ce qui est pas mal, si vous jouez une club vert, c'est pas mal, ça peut être pas mal. Allez, on va découvrir un peu tout ça. Alors, bonus, on va prendre bonus. Mais c'est des malins, Club. Hein. C'est des gros malins. Ils nous sortent ça juste avant l'anniversaire. C'est des filous, les mecs. Hein. Les mecs, c'est des filous, je te le dis. C'est des filous. Donc, 40 pièces du league. Donc, en faute des invocations. Par contre, ouais, il y a des. Pourquoi il y a des joueurs à 40 et il y a des joueurs à 70? 75. Ah, c'est peut-être parce que si vous voulez les avoir en doublon pour faire l'explosion du potentiel. D'accord. Voilà. Ah, super. C'est trop génial. Ah, c'est bien. Ah, je suis content. Ah, ils ont mis tous les modes de la G-League. Non. Attends. Ils ont mis toute la G-League, les mecs. Mais non. Oh, Marino, je le prends. Il est là. Moi, je suis fan de ce club. Allez, hop, on va prendre. Mais non, ils ont mis toute la G-League dedans. Mais c'est la fête.
Ah, c'est la fête! Ils ont mis tous les maillots! Jubilo Iwata, Nagoya, Kyoto, Gamba, Cerezo Osaka, Vissel Kobe. Ils ont même la J... Attends, ils ont même mis la J2. Ils ont même mis la deuxième division. Wow, trop bien! Ah, je suis content! Ah, trop bien! Trop, trop bien! Bon, bah. Ça va être chaud. Moi, j'aime beaucoup celui-là, moi. J'aime beaucoup le Nagoya, là. Celui-là, il est magnifique, celui-là. Il est magnifique, celui-là. Ah, le... celui de Misaki, il est là. Misaki Jubilo Iwata 2020. Ah, ils ont mis tous les maillots, même les maillots des gardiens. Ah, par contre, ça va coûter cher, en Dream Ball, là. Je sais pas combien, il y a de maillots, parce qu'il y a le maillot domicile extérieur et gardien par club. Ça va coûter très, très cher en Dream Ball, là. Ça va coûter très, très cher en Dream Ball. Ah, je vais prendre les maillots de la Marino, ce maillot extérieur et tout. Putain, trop bien. Trop bien. Ah, il m'en faut peu. Il m'en faut peu, les gars. Alors. Voilà. Contre ça pour. Ok. Ok. Voilà. Avec le frère de Igawa qui est là, qui joue à Urawa Red Diamond. Jubilo Iwata, Sapporo et FC Tokyo. Donc voilà pour Mizugi. Mizugi FC Tokyo. Attends. Vu que Napoléon est là, on va voir le HA tout de suite. Comment ça sera fait. Du Dreamfest, bien évidemment. Il est là. Voilà. Alors, il est à 8639 en tir. Et 7690 en puissance, d'accord. Donc lui... Il donne 15% à tous les noms Jap rouges. Il a une combinaison avec pierre plus 15%. Ok, ça, je crois que ça change pas trop ça. Alors, quand, avec pierre, il donne 1,5% à tous les joueurs. Donc il faut qu'il y ait pierre et lui. Et ça peut peut-être faire une différence. Et stimulus pierre. Donc il reçoit en remportant le duel l'intensité de TS plus 5% lors de la TS. Donc en fait, si tu dribbles. Avec Napoléon et que par exemple tu passes la balle à Pierre, sa TS va prendre une densité de plus 5%. C'est compliqué, c'est compliqué. Oh, tueur de gardien plus 3%. On aurait préféré un petit peu plus, mais bon. Et hotline avec Pierre, quand il reçoit une passe de Pierre, il prend 5% supplémentaire. Ah, en tout, ça peut faire. Si Pierre lui fait une passe dans l'axe, enfin en attaque avant qu'il tire, là, Napo prend 8% là. Non. Oui, c'est ça, 8%. Les 5 plus 3, 8. Et là, 8. Ouais, presque 10% avec le lien. Si le lien est activé, ouais, c'est pas dégueu. Hein. C'est pas dégueu. Ah, il est là. En plus, avec son beau maillot. Ah, magnifique le maillot, franchement, magnifique. Regardez-moi ça, magnifique ou pas? Allez. On va le voir directement dans sa dernière forme. 20211. Bon, 957 en endurance, c'est pas top. Ouais, Osaka G, donc c'est un club, hein, c'est un club. Vert. 7600 en dribble, c'est pas dégueu. 6005 en passe, ça va. Ça va, le reste, un petit peu faiblard, milieu offensif, milieu défensif. Ok. Donc ça, c'est là que c'est... Voilà, ça, c'est intéressant. Ça, ça peut être intéressant pour tout club. Hein. Pas club japonais ou club asiatique. Tous les clubs du jeu. Donc Europe, etc. Donc si vous jouez une team Europe, club Europe vert, il vous manque un HA, et ben club vous a offert un beau petit cadeau aujourd'hui. Voilà. Compétences passives face au milieu offensif et des milieux défensifs permet de plus 25%. Ah ouais, là c'est un passif qui risque de beaucoup s'activer. Par contre, il faut le jouer milieu offensif pour éviter d'être devant un attaquant. Dribble trompeur S89, passe sur lequel S89 et interception S99. Ah ouais, ils l'ont bien monté. Ils l'ont bien monté. Et tacle rapide à 80, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Non, il est pas dégueu. Hein. Surtout si tu rerolls. Tu rerolls aujourd'hui ou il n'y a pas longtemps. Pour commencer, c'est pas mal. Hein.
Ah, il est pas mal, hein, le Yoshikawa. Et 3% de type. Putain, mais bien, quoi. Ah ouais. Ah, mais par contre, pour activer le lien, il faut qu'il soit titulaire, hein, bien évidemment, pas sur le banc. D'accord. 1% pour tous les joueurs. 3 joueurs de type vert. Très facile à activer. Et c'est l'une TS. Putain, non, il est pas. Je pense que lui, il faut le tester, je pense. Je pense qu'il faut le tester parce qu'il n'est pas dégueu pour un joueur gratuit. Pas dégueu. Alors, nouvelle compétence passive, maître de la zone de danger. D'accord. Donc là, c'est bien, on vous explique à peu près la zone. Je crois que je l'ai vu sur Twitter hier ou avant-hier. Donc là, quand vous êtes tout proche de la surface, mais pas dans la surface, donc dans la zone de danger, dans les 16. Non, pas les 16 mètres 50, comment on appelle ça les... Ah, j'ai oublié, ça a un nom. Les 30 mètres, ouais, 20 mètres. 20-25 mètres des buts, voilà, vous êtes dans la zone de danger. D'accord. C'est bien ça, au moins il nous l'explique bien. 1048, Iwata, milieu offensif, Misaki, 23 610, très fort, 6 827 en dribble. Pas gros dribbleur. Par contre, 9 641, ils ont fumé chez Club. 9 000, 9 006. Oh là 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 là, 7 142 en passe, donc très fort en passe. Très bon en interception, ça va, très bon en interception. Et en physique, 6 003 en puissance et 6 003 en technique, c'est pas mal. Et ballon bas, très bon. Donc il doit sûrement peut-être avoir une reprise balle basse. Ah, c'est pas, putain, pas mal, hein, putain, le tir, 9 000. Super cohésion, Jap bleu, 20%. Intéressant pour si tu joues Jap et qu'il te manque le super cohésion bleu. Et ben il te faut ce Misaki. Voilà. Il te faut ce Misaki. Oh là là, la compétence. Oh, le maître de la bonne lecture plus 30%. Pas mal. Si tu joues Jap, c'est pas. Si tu joues Jap bleu, il va sûrement remplacer bah, forcément le Dreamfest qui est vert. Le Dreamfest V2. Ah ouais, là c'est pas mal, hein. Passe en retourné acrobatique. Je la connais pas cette. Voilà. Bon, le SSS, c'est la frappe du Dreamfest V2 et le dribble artistique. Ouais. Bon, il va falloir mettre peut-être un dribble S. Il faut lui trouver une interception. Je crois qu'il y a une interception à 80 à récupérer quelque part. Après, sinon le contre, on s'en fout. Le tackle, ouais, mets-le, mais bon, voilà. Peut-être l'une deux avec Tsubasa, forcément. Il y a toujours un petit Tsubasa avec qui tu peux combiner avec Misaki, hein, la Golden Duo. Ah ouais, mais là c'est chaud, là. Putain, 30%, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, 30%. C'est énorme. L'artiste au maillot bleu de Saxe. Attention, attention à la faute de frappe, les gars. Allez, le HA, au moins 3% japonais. Bon, c'est très facile à activer, comme je t'ai dit. Tu joues dans une équipe Jap, c'est très facile à activer. Ah, d'accord. Aussi, il faut 3 joueurs non Jap pour avoir les 1% supplémentaires. Tir angle fermé. Ça, c'est bon, ça aussi. Purée. Et oh, putain. Et en plus, si tu le mets. Oh ouais, mais s'il est en full power. Oh, tu te rends compte qu'en full power. Si tu prends la bonne décision et que tu es en full power, il prend 40% en tout. Wow. Ah ouais, et il te faut les pièces Tsubasa Barcelone. Ah ouais, non, il est pas mal, hein. Bon, bah, de toute façon, moi je vais invoquer dessus après, mais non, il est pas mal, il est pas mal. Il est pas mal. Matsuyama, Hokkaido, Consadole. Le puissant guerrier venu du nord, donc voilà. Ah, par contre, c'est un défenseur. Pas de double poste défenseur milieu offensif. Et en plus, pour la petite anecdote, quand vous allez dans le site officiel du club, Matsuyama fait partie de l'effectif numéro 36. C'est marrant. C'est marrant le clin d'œil. 1179 en endurance. Très bien. 17 018. Donc, pas très fort en attaque. Hein, vous avez vu. Hein, bon, c'est des stats un peu faiblards. Voilà. Par contre, en défense, c'est très fort. Très très fort en défense. Par contre, je ne le mettrai pas dans l'axe. Je le mettrai plus sur un côté. Vous allez comprendre pourquoi. 21 161 en défense, 8 005 en tacle, 8 177 en interception et 4 005 en ce contre. Donc en contre, il va se faire exploser la tête. Par contre, voilà, si vous le mettez sur un côté, c'est là qu'il faut le mettre pour
tacler ou intercepter des centres ou des dribbleurs. Donc c'est là que je le mettrais, moi, en tout cas. Et en physique, 18317, donc 6007 en rapidité qui va combiner avec le tacle. Il doit avoir un gros tacle, le Matsuyama. Pas mal hein, comme défenseur. Pas dégueu du tout. Si tu veux bien, voilà. Donc lui, super cohésion, Jap rouge. Donc il n'y a pas de club ou quoi, c'est juste Jap rouge. Donc voilà, si tu joues Jap rouge et qu'il te manque une super cohésion, bah, il faut viser le Matsuyama. Maître de la zone de danger. Donc comme on l'a vu il y a quelques minutes, voilà, la zone de danger, c'est qu'il faut qu'il soit, qu'il faut qu'il reste dans cette zone-là et pas, il faut pas qu'il rentre dans la surface. Il faut pas aussi qu'il aille dans la zone centrale. Donc c'est vraiment une zone prédéfinie. Ça va, c'est vrai que Dream Team maintenant, ça va jouer sur des détails, les gars. Ça va jouer à des millimètres pour que les joueurs aient leur passif activé plus 25%. Putain, ça c'est fort. Ça c'est très très fort. Putain, s'il dans sa zone de danger, il fait un tacle ou vous dribblez ou quoi, il vous la prend. Si vous faites une interception, il vous la prend. Et on n'a pas encore vu le HA derrière. Tacle cru subite, donc je connais pas. 440. Et interception de leg 445. Et passe de leg à 80. Non, c'est pas dégueu, les gars. Ah, les gars, c'est pas dégueu. Il est bien monté en tout cas. Ah, putain, ils ont respecté les joueurs. J'ai l'impression qu'ils ont respecté. Au moins 3 joueurs de type A vert. D'accord. Ok. Type vert, plus 2%. Bon, il y a moyen de mixer rouge et vert. Je vous laisse faire ça tranquillement. Putain, tueur face au tir autre que hein, plus 50%. Ah ok, d'accord. Donc en fait sa stat de compte va peut-être être finalement ça peut peut-être faire le job. Ouais, ça peut peut-être faire le job. Et augmentation de la cage pleine puissance. Ok. Ouais, tu peux essayer de lui mettre le contre. Tu peux essayer de lui mettre un contre. Eh, c'est... Faut essayer. En tout cas, faut essayer, voir, faire des tests si finalement il peut être pas mal en contre. Ouais. Par contre, il faut que le joueur tire en dehors de la surface. Et là, ça peut faire la différence. 25% plus les 50, ça fait 75% sur sa. 75% de plus sur sa. Sur le contre. Là, ça peut faire la différence. Ouais, là, je peux dire ok, ça peut rater des tirs. Ça peut rater des tirs. Par contre, si le joueur est dans la surface et que lui. Et dans la surface aussi, et que le joueur tire, il a pas les 50%. Par contre, il aura minimum. Ouais, voilà, il aura, non, il aura 50%, mais il aura pas les, les 25%. Ouais. Donc ça veut dire que si un joueur fait une reprise balle basse ou balle haute, et que lui est dans la surface, c'est même pas la peine d'essayer de contrer. N'essayez pas, mettez un contre-blanc, n'essayez même pas en vrai. Ok. Ok. Le Sawada. Voilà, oui, la vidéo va durer un peu longtemps, les gars, mais c'est pas grave. Avec sa coupe, sa coupe de cheveux. J'espère qu'on l'aura dans le jeu. In-game, ce serait bien. Vert. Urawa Red Diamond. 1058 en endurance. 21010 en attaque. 7439 en dribble. 7374 en passe. Donc un vrai milieu offensif. Milieu défensif aussi. Oulala. Interception 8234. 17282 en défense. Tacle, on va skip. Alors contre, je te raconte pas. Mais 8234, je vais y arriver. Interception. Technicité 7786. Ouais, c'est bien, hein, c'est bien. Il est bien réparti, le Sawada. Donc lui, super cohésion, Jap vert, 20%. Maître des ailes, d'accord, plus 20%. Ok, donc faut le mettre sur le côté. Pour avoir le passif activé. Faut pas le mettre dans l'axe, mais plus sur... Tandis que le Sawada 97, lui, il fallait le mettre dans l'axe. Lui, par contre, il faut le mettre dans les ailes. D'accord. Interception vive, parfait. Dribble bondissant, connais pas. Et passe contrôle subite. Donc si vous avez un doublon du 97 ou un triplon, quadruplon, que vous avez une passe, mets-tu la passe S. Comme ça vous êtes tranquille, les gars. Comme ça vous êtes tranquille. Mais pas dégueu, hein. Pas dégueu, les gars. 20% maître des ailes. Le lien au moins 3% de type force. Ok. Ok. Lorsqu'un attaquant reçoit une passe de Takashi. Oh ouais. Plus 5%. Ah ouais, c'est chaud. En plus, c'est n'importe quel joueur. Hein. On parle pas de Jap ou pas Jap.
C'est-à-dire que tu il fait une passe à même un non-jap, à un étranger ou quoi. Ah ouais. Non, non, il est pas mal, la purée, même le Sawada, il est pas mal. En gagnant un duel, il monte la cage de plus de 10%, la cage de pleine puissance, de full power. Ah, il est pas dégueu, hein. Ils sont pas dégueu, les personnes sont pas dégueu, ils sont respectés. C'est pas des monstres, mais ils sont vraiment très, ils ont été très respectés. Vraiment très. C'est vraiment. Franchement, Clab, c'est des malins. C'est des gros malins. Des malins. Sorte ça juste avant l'anniversaire, c'est traître. Morizaki, beau gosse, avec son maillot de Shimizu S-Pulse, rouge, 1087 en endurance, 7504 en coup de poing, quasiment 10 000. 10 000 en arrêt, c'est extrêmement fort. On va arrondir, hein, parce qu'on est à 2 points de stats. Physique, 7043 en intensité, rapidité et puissance, 6268. Ah ouais, il est pas mal lui aussi, hein. Purée, ils sont pas mal les joueurs, hein. Franchement, cohésion plus 20%. Ah, par contre, lui, attention, 5 joueurs club type rouge et pas Jap, etc. Donc, si vous jouez club rouge et qu'il vous manque un 20%, c'est lui qui vous vaut. Ah ouais, donc il prend 15% quand vous êtes en full power. Ok, arrêt SG, super Gutsy GK 485, tapement quelque part sur mon corps, super parade à 80. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Plus 15%, bah, il monte facilement 10 000 déjà, il dépasse les 10 000. Ah, du type bleu, plus. Ah ouais, mais bon. Pff. Ok, 3 joueurs de type bleu. Plus 2%. Courage, tant qu'il lui reste au moins d'endurance, il peut utiliser sa TS. Et mettre de la bonne lecture en un duel d'un coéquipier défenseur en duel, plus 10%. Ouais, c'est sympa. Non, il est sympa. Désolé, les amis, c'était mon téléphone. Hop, voilà. Mettre de la bonne lecture obtenue. D'accord. En fait, quand le défenseur a deviné, par exemple, un tir, par exemple, votre attaquant il tire et le défenseur fait un contre, et ben Morizaki va avoir plus 10%. Putain, c'est fort ça. Putain, c'est fort. Mettre de la bonne lecture de jeu obtenu par un défenseur. Ce sont pas dégueu les joueurs, hein. Ce sont pas dégueu. Après, je te cache pas, moi, c'est plus Misaki qui m'intéresse, mais ouais, le Matsuyama est sympathique, mais ça demande, c'est un peu trop technique. Voilà, il y a une petite zone de danger qu'il faut respecter. Le Sawada. Le Sawada est fort. Le Sawada est très très fort. Sawada est très fort. Bah écoutez, on va faire au moins la 1DB. Non, le Sawada est fort. Oh, ah, propre. C'est trop bien. Tous les clubs de G-League et tout avec la G-League comme ça. Oh. Ok, dommage. Ah, ils l'ont mis la tête! Ils lui ont mis! Ils lui ont mis la coupe! Ils lui ont mis la coupe! Voilà. Voilà. Donc, ce que je vous disais, donc plus vous faites de multi, plus vous avez des pièces. Donc, 4 multi, vous allez être sûr d'avoir le joueur que vous visez. Donc, là, pour l'instant, moi, j'attends un peu, tranquille. On va réfléchir à tête reposée, parce que là, je suis encore sous la vidéo, quoi. Mais voilà. Bah, écoutez, on va essayer d'aller chercher au moins. Au palier 5, si on peut l'avoir avant, ça serait génial. 3 pigeons. Ils sont beaux les maillots. Hein. Ils sont beaux les maillots. Ah, ça va être dur de pas les acheter tous. Hein. Allez, on va y aller. J'ai pas eu beaucoup de chance sur les paliers payants la dernière fois. La dernière fois, j'ai fait bah, Ishizaki. Ah, chance. J'ai eu un vieux joueur. Je visais le Ishizaki. Ok. Donc, on n'a pas de pièces G-League. C'est un petit peu dommage. On aurait bien voulu. Vu que c'est des DB payantes, on aurait bien voulu retour sur investissement. Ah, ils ont mis le t-shirt blanc, oui, parce que Tsubasa ne joue pas en G-League. Tsubasa
Tsubasa ne joue pas en G-League dans le manga. Allez, 50%. Allez, là, 50%. Fait plaisir. Si on pouvait l'avoir maintenant, ça serait bien. Quatre pigeons. Flèche bleue. Ah, oh, purée. Il a 50% qui ne passe. Ah, oh, putain. Bon. Bon, bah, la garantie. Avec 14% d'avoir notre Misaki. Allez, on va voir si on va l'avoir. Ce serait bien. Ce serait bien de l'avoir. Bon, forcément, il n'y a pas de suspense. Il n'y a même pas les flammes, en fait. Heureusement que c'est garanti. Hein. Tu peux m'en donner deux, hein. T'es pas... Allez, Misaki. Ah, dommage. Bon, il n'est pas dégueu, mais... Bon allez, moi je m'arrête là. Voilà, je m'arrête là. Hop. Donc voilà les amis, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter sur la vidéo sur la G-League. Voilà. Faites attention à vos Dream Ball, l'anniversaire arrive. Hein. Donc on sait pas à quelle sauce on va être mangé à l'anniversaire. Donc attention. Je sais que les joueurs sont très bons. Très très bons. Chacun a des profils différents, mais qui sont très très bons. Même le joueur coffre Yoshikawa qu'on a vu ensemble est très très bon aussi. C'est loin d'être dégueu. Donc il y a des Dream Ball que vous pouvez récupérer encore. On va récupérer les Dream Ball, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Et bon, on se donne rendez-vous pour l'anniversaire, je pense. Ou pour le Dream Fest. Peut-être pour le Dream Fest. Oui, pour le Dream Fest. Pour le Dream Fest, on va se donner rendez-vous pour le Dream Fest juste avant l'anniversaire. Normalement le 5, je crois, parce que la collab G-League s'arrête le 4. Le 4 décembre. Donc pendant deux semaines à peu près. Je vous laisse, portez-vous bien et à la prochaine, la team. Ciao, ciao!